Mon habit du dimanche? Ben, là aussi, ça dépend. Si je vais me balader, je me mets en tenue sportive, avec les baskets et tout ça. Maintenant, si je sors, ça dépend aussi où je vais. Si je vais écouter un concert, je me fais quand même belle. C'est normal. Une chanson du dimanche. Une chanson du dimanche. Ah, c'est pas bête ça. Sinatra, My Way. Quand vous partez de Paris le week-end, où est-ce que vous aimez aller? Alors en week-end en général, parce que je travaille donc avec un seul jour de repos, je ne bouge pas. Mais par contre, si je ne travaille pas, si j'ai du congé, là je peux partir par exemple, je ne sais pas, en Bretagne, je peux aller sur la côte d'Azur. Et si j'ai beaucoup de temps, je peux me faire une petite croisière de 8 jours. Quels sont vos souvenirs d'enfance du dimanche? Alors là c'est pareil, c'est varié. Parce que mes parents avaient un commerce qui ne fermait pas, à l'époque on ne fermait pas du tout. Donc je restais avec eux, je prenais ma bicyclette, je faisais le tour du pâté de maison. Des fois j'avais les petits arabes qui étaient là, qui ciraient les chaussures. Ils me disaient « bon, tu nous la prêtes un peu ?» Alors on s'arrangeait, ou alors on jouait avec eux. Je jouais aux abricots. C'était quoi jouer aux abricots? Aux noyaux. Les noyaux, on met 3 petits noyaux comme ça et paf! Voilà, il faut faire tomber le... C'est comme les billes, en fait. Oui, c'est ça. Donc là, c'était les noyaux d'abricot. Et sinon, quand il y avait une belle période, enfin, quand il faisait très beau, alors c'est pareil, j'allais au bord de l'eau. C'était à une trentaine de kilomètres d'Alger, à Jean Bar. C'était un petit village où on était en famille. Alors après, il y avait quelques personnes qui avaient un petit cabanon comme ci, comme ça, mais il n'y avait jamais beaucoup de monde. On se baignait, on était toute une bande de camarades, parce que c'était toujours les mêmes, forcément. Ceux qui avaient les petites maisons, emmenaient les petits enfants. Donc c'est des souvenirs heureux, du coup. Ah oui, ah oui.